j'ai grandi ici et tous les éducateurs du club, on est une bande de potes, on a commencé ensemble, on était à l'école ensemble depuis tout petit. Et on les a préparés sur un cycle de 2 ans. Je les ai récupérés déjà l'année dernière, ils étaient U12, je les ai pris avec moi déjà en U13. Et je suis aussi responsable de la catégorie, donc je m'occupe aussi de trouver des matchs amicaux quand il y a des trous ou des tournois pour les autres équipes. Je leur souhaite que du plus, qu'ils réussissent dans leur rêve du foot, même si le parcours est difficile, et voilà, mais je leur souhaite que du bonheur et tous de les voir un jour à la télé en Ligue des Champions, c'est possible. Donnez l'info, le passeur s'il vous plaît. Bien joué, merci Massamba. Il a raison. Ça fait pas mal de temps que je suis au club de Ris-Orangis. J'ai commencé à jouer au club de Ris-Orangis, donc j'avais 5 ans. Donc c'est un petit peu un club qui me tient à cœur. Et puis voilà, donc c'est un club qui m'est très familier, puisque ce club date un petit peu de mes grands-parents. Mes grands-parents ont commencé à jouer au club, à prendre un petit peu les responsabilités du club. Donc ensuite est venu mes parents, et puis là je prends un petit peu la relève. Donc voilà. Voilà, mon souhait c'était de mettre une équipe d'éducateurs en place, qu'on puisse travailler sereinement et puis voilà, tous ensemble pour faire grandir le club. Donc cette évolution elle a été claire dès le début. Il y a eu un nombre d'éducateurs par catégorie suffisant et donc le travail a pu être fait correctement. Donc là, on a 420 licenciés cette année. 420 licenciés, donc c'est une petite. En fait, on a augmenté un petit peu le nombre de joueurs par rapport à l'année dernière. Sur le plan un petit peu familial du club, il y a eu pas mal de projets qui ont été créés, donc notamment l'album du club où chaque enfant a reçu un album du club et devait collectionner les vignettes des enfants, donc la photo de chaque enfant. Donc ça a été un événement majeur au niveau du côté extra football. Après, sur le plan sportif, on a eu pas mal de bonnes nouvelles, puisque c'était la première année où nos U15 montaient en DHR. Donc là, ils se sont maintenus tranquillement cette année, donc ça, c'était une bonne chose. Ensuite, sur le plan un petit peu individuel, on a un jeune qui a signé au Stade de Reims cette année et qui intègre le centre de Clairefontaine. Donc ça, c'est une première pour le club. Donc ce petit qui est Massamba Sow rentre un petit peu dans l'histoire de notre club. Donc c'est une fierté pour le club. Et là, on veut passer vraiment accentuer le côté sportif. Le côté sportif, on pense qu'on peut beaucoup mieux faire. Donc on veut accentuer sur ce côté-là. Donc cette année, moi, je veux qu'on mate dans le jeu de Ris-Orangis du beau football, qu'on voit de l'envie de la part de nos enfants et surtout des sourires qui se fassent plaisir. Qu'ils arrivent à reproduire les conseils qu'on leur donne et qu'à la fin du match ils sortent avec le sourire et pourquoi pas avec des victoires. Alors du coup, Ris-Orangis c'est un club de niveau départemental dans l'ensemble. On a quand même 2 équipes, les U15 DHR. Qui est monté l'année dernière au niveau régional et nos U13 régional espoir. Donc on a pour l'ensemble du club un niveau départemental, sauf ces deux équipes là qui jouent au niveau régional. Alors aujourd'hui jeudi on a l'entraînement des U13, des U12-U13. On a l'entraînement aussi également des U17 et après le soir on a l'entraînement des seniors, des deux groupes seniors ce soir à partir de 20h. Comme presque chaque année, hein, on a la chance d'avoir des enfants qui partent en essai en club professionnel. Le club a été repris, on a un nouveau président qui est Mesma Ebouki depuis cette année. Donc on va dire que cette année on était un peu sur une année de transition. On était aussi dans l'attente des terrains synthétiques qui vont arriver. Donc le but vraiment c'est de former nos jeunes Rissois. Parce que le travail depuis qu'on s'occupe réellement du club est fait principalement avec les jeunes de la ville. Okay, fait avec les jeunes de la ville. Nos montées qui ont été effectuées en 15 ans majoritairement également ont été faites par des garçons issus de notre école de football, donc des garçons de la ville.
Donc voilà, l'objectif c'est de développer nos équipes de foot à 11, qu'on soit tous au niveau régional, que nos gamins, nos garçons puissent progresser. Ce trait qu'on mate dans le jeu, bah, du beau jeu, de l'envie, du plaisir surtout, que les enfants puissent dégager du plaisir quand on vient les voir jouer par les parents, par les dirigeants ou autres personnes, de l'envie et du plaisir.